Nous sommes à Ziguinchor dans le cadre d'un plan d'action au niveau du parti Réumi, dont l'initiative a été prise par le président Idrissa Seck d'avoir mis en place une direction qui est un secrétariat national chargé des collectivités locales et des élus locaux. Et cette direction est en train de dérouler un plan d'action à l'échelle nationale pour rapprocher davantage les élus de Réumi, du parti Réumi, ou d'une coalition ou de la coalition à laquelle le parti Réumi a été lors des élections locales, d'une part, mais d'autre part aussi, faire en sorte que les élus du parti Réumi ne se sentent pas isolés et qu'on puisse avoir un plan d'action en matière de renforcement des capacités de ces élus locaux pour qu'ils puissent s'assumer ou assumer pleinement leur rôle et responsabilité au niveau de la gouvernance locale. Puisque la gouvernance locale est au cœur des politiques, est au cœur des programmes, est au cœur des projets pour la satisfaction des besoins des populations locales. Et les élus du parti Réumi doivent être davantage outillés, doivent être davantage capacités pour qu'ils puissent en tout cas être au-devant en termes de qualité surtout pour la satisfaction des besoins des populations dans leurs conseils respectifs, que ce soit les conseils départementaux ou les conseils municipaux. C'est véritablement un challenge, un défi que le parti Réumi veut relever pour que véritablement ces conseillers qui sont des produits, disons politiques, puissent en tout cas se sentir davantage être coachés par leur propre parti, leur propre formation politique. C'est pour cela que nous sommes à Ziguinchor, qui est une région en tout cas stratégique pour nous, qui est une région dont les capacités en termes de ressources humaines sont généralement de qualité, puisque si je prends uniquement l'exemple du département de Bindjonan, c'est un département qui a toujours été, en termes de scolarisation, un département phare pour le Sénégal, où pratiquement l'ensemble des fils de ce département sont instruits. Et c'est cette qualité-là qu'on a un peu partout, que ce soit à Oussou, que ce soit à Ziguinchor, comme à Bindjonan, des conseillers élus de qualité, mais quand même il faut toujours anticiper par le renforcement des capacités, ne serait-ce que pour la réglementation, qui est souvent une réglementation qui change. On a un nouveau code général des collectivités locales, il faut maîtriser les textes, puisque en matière de gouvernance locale, les textes régissent le fonctionnement et il faut être au diapason. Concrètement, sur quoi va porter justement ce renforcement des capacités? Quels sont les modules qui vont être partagés avec les conseillers? Les modules sont nombreux, mais nous voulons avoir une approche participative et inclusive, c'est-à-dire que les besoins partent de la base vers une synthétisation au niveau même du secrétaire national chargé des élus. C'est-à-dire que dans chaque département, dans chaque région, on déroule un plan de rencontre pour porter le message du président Idi, de félicitations, de remerciements, d'encouragement d'une part, mais aussi recueillir au niveau de la base les besoins spécifiques de formation. D'un département à un autre, d'une région à une autre, les besoins peuvent différer. Si je prends l'exemple de la Casamance de manière générale, que ce soit la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou ou la région de Kolda, ils sont déjà constitués en pôle de développement. Et la paix dans la gouvernance est un point central. Mais en matière de gouvernance, c'est aussi des objectifs fixes que chaque collectivité locale se fixe par rapport à ses objectifs, par rapport au plan de développement départementaux, au plan de développement communaux, la base exprime des besoins de formation spécifiques et ça diffère d'une région à une autre et on est tenté de recenser
de voir l'ensemble de ses besoins en formation pour pouvoir les traduire en plan ou en programme de formation dans les semaines à venir. C'est pour dire qu'on ne veut pas prendre des modules standards comme cela, sans se coller à la base pour l'expression des besoins spécifiques à la base. Donc, bientôt, au sortir de notre rencontre avec les élus des Ignéchors et les points focaux, nous saurons quel est le programme de formation spécifique adressé à Ignéchors. Mais quel impact peut avoir une telle initiative, peut orienter en tout cas les décisions dans des collectivités locales où pratiquement vous êtes minoritaire, comme dans la région des Ignéchors? La gouvernance locale ne regarde pas la minorité en fait, c'est la qualité qui importe le plus en termes de gouvernance. Et partout où nous aurons ne serait-ce qu'un élu local, l'essentiel que cet élu local se distingue par son expertise, se distingue par son orientation stratégique en termes de prise de parole, pour en tout cas faire basculer les orientations de ce conseil municipal. Et c'est dans ce sens que nous voulons outiller en termes d'expertise l'ensemble de nos élus locaux. Et c'est cela qui importe le plus, puisque la gouvernance locale appelle à l'heure actuelle de nouveaux comportements, appelle à l'heure actuelle une expertise avérée, appelle à l'heure actuelle en tout cas un comportement tout court de l'élu local, qui sera renforcé plus tard peut-être par des dispositifs législatifs pour que l'élu local ait un statut particulier, puisqu'il joue un rôle essentiel pour le développement à la base. Donc, le parti Réumi, conscient de tous ces enjeux stratégiques de la gouvernance locale, veut anticiper pour que les élus locaux de ce parti puissent en tout cas être les porteurs de développement, être les vecteurs de développement dans ce que l'on veut, que les collectivités locales soient dans cette gouvernance locale, c'est-à-dire que les territoires soient porteurs de développement viable, que les territoires soient porteurs de développement qui prennent en compte les aspirations des populations. Et conscient de cela, le président Idrissa Seck et l'ensemble du secrétaire national, c'est-à-dire la direction du parti, déroulent un plan pour que l'ensemble de ces élus, en tout cas, puissent se sentir capacités et être aptes à apporter toute la contribution qui doit être dans leur collectivité respective en matière de décentralisation, en matière de politique, mais en matière d'élaboration des budgets, en matière de planning, c'est-à-dire de planification stratégique, surtout pour le département qui a son rôle d'impulser le développement à la base et de définir, disons, les grandes orientations du département et que les communes sont appelées à opérationnaliser. Ignéchors est une région symbolique dans le dispositif électoral du Sénégal, puisque le parti Réumi a des hommes de valeur et des femmes de valeur dans cette région, et que véritablement le président Idrissa Seck a un regard particulier pour la région de Ignéchors, qui est une région meurtrie par, disons, une crise politico-sociale qui commence à durer une trentaine d'années. Donc, tout ce que d'abord le président Idrissa Seck souhaite pour la région, c'est que la région retrouve la paix, et la paix dans tous les segments de la société, la paix politique, la paix sociale, la paix militaire, véritablement, et que les élections futures soient pour le parti Réumi un succès total pour la région. Et pour cela, la stratégie qu'on a, elle est très simple. Une stratégie de remobilisation de tous
les sympathisants, de tous les militants, mais aussi une stratégie d'élargissement des bases du parti, une stratégie d'être à côté des militants, et d'être à côté des élus qui sont des vecteurs aussi, puisque ça a été un produit de partis réunis lors des échéances précédentes. Faire en sorte que le président Idi soit au cœur des populations, faire en sorte que l'ensemble de la direction du parti se redéploie dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les communes du Sénégal. Et prochainement, le président Idi aussi fera une tournée nationale pour davantage le travail qu'on est en train de faire. On est en train de déblayer, tant soit peu. Mais il va suivre. Et c'est un homme de paix pour la case de Mons. Et nous pensons qu'en 2017, avec toutes les prières, on l'accompagne, il sera le président de la République du Sénégal et que la case de Mons aussi retrouvera la paix et son développement, puisque la case de Mons est une région qui peut impulser la croissance de ce pays, ne serait-ce que par l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. On a toujours dit que la Casamance est le grenier du Sénégal. Et cela reste toujours en tout cas valable dans notre prévision, reste toujours valable dans notre option, et que véritablement la Casamance retrouvera certainement en 2017 avec le président Idi son statut et son cri d'entrée.